Francfort est la plus grande ville dans le Land de Hesse. Sa population s'élève à environ 800 000 habitants. Ville cosmopolite alliant modernité et tradition, Francfort est à la fois un centre culturel important, un centre économique majeur et la plus grande place financière d'Allemagne. C'est une ville riche en histoire, en culture et en divertissement. Ici, la culture séculaire rencontre les tendances actuelles, la tradition rencontre la modernité, et la verdure rencontre l'ambiance urbaine, le tout dans une parfaite harmonie architecturale. Gratte-ciel, citadelle de verre, somptueux immeubles de béton, 43 tours plus ou moins hautes s'élèvent dans le ciel de la ville, et d'autres viendront encore les rejoindre. La ville ne manque pas d'attractions touristiques. C'est donc tout naturellement que nous avons décidé d'y poser nos valises pour 2 jours, et de vous présenter cette ville que l'on qualifie du New York de l'Europe. La ville comprend plus de 50 espaces verts et c'est par le jardin chinois que nous décidons de commencer notre visite. L'entrée principale se trouve près de l'entrée du Batman Park. Comme vous allez le voir, dépaysement garanti, et nous ne sommes même pas entrés que nous apercevons déjà des photographes. Caché derrière d'épais murs, le jardin chinois, appelé officiellement le jardin de la paix céleste, est une oasis de calme et de verdure de 4000 m² en plein cœur de Francfort. Il est ouvert chaque jour et gratuit. Il a été conçu selon le modèle des jardins Xiuku de la province de Huizhou, dans le sud de la Chine, avec des bâtiments simples et traditionnels, du style de la province d'Anhui. Datant de 1989, la construction du jardin a duré seulement 5 mois et a été réalisée par des artisans chinois qui ont utilisé des matériaux précieux importés de Chine. Il est doté de plusieurs éléments caractéristiques des jardins chinois, tels que des ponts en marbre, des pavillons, une grande étendue d'eau, une cascade et des paysages de rochers. Leur disposition n'a pas été laissée au hasard, mais reflète plutôt diverses références, notamment au langage symbolique chinois. Il est également utilisé pour des événements culturels et des cérémonies, notamment la célébration du Nouvel An chinois. C'est un endroit qui invite réellement au calme, à la lecture pour certains et à la méditation pour d'autres. Dans tous les cas, cette balade au jardin chinois invite au calme et à la méditation. Cette première visite nous a permis de nous ressourcer avant de ne repartir dans le tumulte de la ville. Direction le métro pour lequel nous avons pris un ticket à la journée, 6,50€ par personne, ce qui nous permet de nous déplacer à moindre frais avec tous les modes de transport. Nous quittons le métro et prenons la direction du jardin botanique de la ville et parcourons des rues larges et arborées. Le Palmengarten est le jardin botanique de la ville. En plus de sa collection de plantes, il est également connu pour ses événements culturels tels que des concerts, des expositions d'art et des festivals de jardinage. Il a été inauguré en 1871 et s'étend sur une superficie de 22 hectares. Il abrite une grande variété de plantes exotiques, palmiers, orchidées, cactus et plantes tropicales. Il est divisé en plusieurs sections, chacune présentant des plantes de différentes régions du monde, notamment d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud.
Il y a également un grand lac avec des îles et une grande serre abritant une collection impressionnante de plantes tropicales. Nous nous dirigeons maintenant vers le musée d'histoire naturelle et durant notre marche, nous apercevons la Tour d'Europe, qui est le nom de la tour de télévision de la ville. Structure autoportante, elle a été construite entre 1974 et 1979 par l'architecte Erwin Heinle et mesure 337 mètres de haut. Nous passons devant le musée d'histoire naturelle, inauguré en 1858, et découvrons d'impressionnants dinosaures grandeur nature. Il compte aujourd'hui plus de 6 millions d'objets dans ses collections permanentes. Il abrite des expositions sur une variété de sujets, notamment la biologie, la géologie, la paléontologie et l'astronomie. On peut y voir des fossiles de dinosaures, des squelettes de mammouths, des spécimens botaniques rares et des échantillons de roches et de minéraux du monde entier. Nous marchons maintenant vers le Skyline Garden. Nous apercevons le gratte-ciel Messeturn qui mesure 250 mètres de haut et qui compte 63 étages dont 54 habitables. Il a été édifié en 1990 et était alors le plus haut gratte-ciel d'Europe jusqu'en 1997. Face au parc des expositions, on retrouve la statue de Mercure, dieu des marchands et des voleurs, donnée par le banquier Anton Hahn en 1909, réalisée par ses fils en 1916 à la mémoire de leur père. La statue en bronze est de grandeur nature. Au pied de l'immeuble, nous découvrons le Hammering Man, qui a été créé en 1990 par l'artiste américain Jonathan Borowski. Il s'agit d'une sculpture monumentale en mouvement, représentant un travailleur avec un marteau. La sculpture mesure environ 21 mètres de haut et pèse 32 tonnes. C'est l'une des nombreuses sculptures similaires créées par Borowski dans le monde entier. La première Hammering Man a été créée en 1981 pour une exposition d'art à New York. Depuis lors, des versions similaires de la sculpture ont été installées dans plusieurs villes à travers le monde, notamment à Seattle, Washington DC et Francfort. Situé en haut du centre commercial Skyline Plaza, dans le quartier Messe, ce rooftop invite à se prélasser tout en dégustant une boisson fraîche ou une glace. Le restaurant Alex, qui se trouve sur la terrasse, propose d'ailleurs une multitude de plats. Par ailleurs, le Skyline Garden propose régulièrement des petits concerts ou spectacles. Idéal après une journée shopping. Retour vers le métro pour nous rendre sur la place de l'Opéra. Derrière la façade historique de l'ancien Opéra de Francfort se trouve l'une des salles de concert les plus remarquables de toute l'Allemagne et de l'Europe. Le bâtiment a été construit en 1880. Détruit lors de la Seconde Guerre mondiale, il n'a seulement rouvert que le 28 août 1981. Les visiteurs se voient proposer un programme de haute qualité couvrant tous les genres musicaux, y compris la musique classique, le jazz, le blues, la pop, le rock, ainsi que des comédies musicales et des productions de spectacles de renommée mondiale. La section congrès de l'Alte Oper organise environ 50 événements par an et jouit d'une grande réputation. Des bals glamour et des congrès internationaux ont lieu dans les salles et les salons du bâtiment. Nous nous retrouvons maintenant dans le Rothschild Park. Il abritait autrefois le grand domaine de la famille von Rothschild qui acheta la propriété de 4,5 hectares en 1816. Le palais et de grandes parties du parc ont été détruites lors des bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale et seule reste une tour néo-gothique restaurée. À proximité, nous découvrons l'anneau des statues créé par Georges Kolb en 1954.
Cette sculpture en bronze, un peu plus grande que nature, tous dégageant une impression de mélancolie, et 14 colonnes en basalte forment un cercle au centre duquel résonne un effet d'écho. Nous arrivons maintenant devant l'emblématique sculpture Euro, près de l'ancien siège de la Banque Centrale Européenne, symbole du rôle de Francfort dans la gestion de la monnaie unique. C'est d'ailleurs l'un des objets les plus photographiés de la ville, et ce signe figure régulièrement dans des articles sur la BCE. La sculpture était en danger après le retrait des banques qui payaient son entretien. Mais c'est le 27 septembre 2022 qu'une société de crypto-monnaie, KaiCoin, basée à Francfort, est devenue le nouveau sponsor, évitant ainsi la vente aux enchères de la sculpture. Nous continuons notre marche et découvrons plusieurs statues. L'Olympe moderne de Weimar, œuvre de l'artiste André Alfaro, qui a été érigée à la place du monument historique de Goethe lorsqu'il a été remis à son emplacement d'origine en 2007. La statue de Benoît Elkann a été érigée quant à elle en 1920 à la mémoire des morts de la Première Guerre mondiale. La statue de Friedrich Schiller, auteur de Guillaume Tell et du poème Ode à la joie, présente une couronne de laurier qui souligne l'importance de l'auteur qui a joué un rôle majeur dans la littérature allemande. Nous arrivons maintenant à la fontaine des contes de fées. Il s'agit d'une fontaine Art Nouveau, haute de 8 mètres, qui a été achevée en 1910, financée par le mécène Leo Ganz et réalisée par le sculpteur Friedrich Christoph Hausmann. Les figurines en bronze ont été fondues pendant la Seconde Guerre mondiale et n'ont pas été remplacées pendant longtemps. À l'aide de photographies des années 1920, elles ont été reconstruites en 2005-2006. Nous passons devant le premier musée juif autonome de la République fédérale d'Allemagne, qui a été inauguré le 9 novembre 1988 par le chancelier Helmut Kohl. À travers ses collections, le musée témoigne de 900 ans d'histoire et de culture juive de la ville de Francfort. Fin de visite pour ce premier jour à Francfort. La nuit commence à tomber et nous nous dirigeons en direction d'un des meilleurs restaurants vietnamiens de la ville. Pas vraiment local comme cuisine, vous allez nous dire, mais Francfort étant une ville cosmopolite, nous avons jeté notre dévolu sur une cuisine asiatique. Service impeccable et nourriture exquise. À demain pour notre deuxième journée de découverte.